Coucou à tous. Salut. Bon, aujourd'hui on est le 2 juillet. On est dans le 4x4, mais c'est pour aller faire du voilier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On part pour les 18h d'Arcachon. Voilà, on va rejoindre Marc là qui nous attend au port. Et on a le départ dans 14-15, dans 2h. À 2h au départ pour les 18h d'Arcachon. C'est une première pour nous. Ouais. On va le faire avec un voilier 5,90. Il s'appelle Domino. À tout à l'heure. Au vu du stock, on attaque la Transat, Marc. Ah oui, ben là. Ouais, direction les Açores. Si on est à Nippo, ça va le faire. Non, ça fou, là. Regarde. Bon, ça a chargé ou pas? Ouais, c'est à moi, ça. Parce qu'il paraît qu'il va faire froid. Tu prends les deux comme ça, toi? Oui, vas-y. Les deux? Les deux, ouais, ouais. Mais je suis pas tout seul, hein. On est parti? Tu me pousses le nez ou... Ouais, ouais, je pousse le nez. C'est parti? Et le bout bleu, on l'a gardé. C'est bon. On y va? Allez, on y va, c'est parti. Ça a passé inaperçu, là. Ça va? Et vous ne mettez pas la nuit, hein? Non. Quelqu'un qui pédale dedans. Hein. Ça y est, on a des t-shirts, on a un plein de concrète. Hein. On va mettre les voiles. Ouais, Christophe. Oh putain. Pierre va y arriver. Là, on arrive en même temps. Vas-y. On installe les voiles. Ça va être mieux pour la gueule. Avec des voiles pour avancer, c'est mieux. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de vent. On peut quasiment pas border plus. Donc. C'est à toi, à la barre, d'être la plus fine pour être à 30 degrés, à peu près 30 degrés de vent. Toi, là-bas, il y a plus de vent. C'est pour ça que je vous ai fait virer de parce que là-bas, on est à l'abri de l'île. Quand il tourne vers là où tu n'as pas la voile, d'accord. Ça veut dire que tu peux, s'il tourne vers là, ça veut dire que tu peux aller à droite pour remonter encore plus. Il la donne. Si au contraire, il vient là et vient face à toi, tu vas être obligé d'abattre. Ouais. Il refuse. Il refuse que tu ailles à droite. Il la donne, il refuse. Et donc, le départ dans 5 minutes. 5. C'est impressionnant autant de bateaux autour de nous. C'est clair. Aïe 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 aïe. Pression devant. La voile, fais gaffe Marc. Je vois.
Oh putain! Attention, nous! Attention, Marc! Allez, reste 1 minute 10! 1 minute 10! Attention, attention! Attention derrière! C'est tendu, hein! 1 minute, Marc! Une! Ça se repercute là! Ah ouais, non, mais là, ils se sont rentrés, laisse tomber! Ne vous occupez pas des autres! Il y a du monde derrière! On a vraiment du monde derrière! On a 80% de la flotte derrière! Bon, on a fait un super départ! Mais ça a été la guerre. Allez, c'est parti. Ça va, capitaine ? Face à la dune du Pilat. Oh, ils se touchent. Oh là, les bateaux se touchent. On passe comment? Alors, s'il y a une bouée au chemin, mais là, je pense qu'il faut que tu passes. Ah, on a une baleine là, vous la voyez? Allez, domino! Fais gaffe à la bordel! Je me mets de l'autre côté, non? Ça fait surprendre! Attention, ton porte-parole. Attention à la bonne, tu vois? Ouais. On a du public, hein. Ouais, ça sert pas. Bon, on a pris un peu d'eau, hein. On est trempé, il va être 20h. Ça fait combien déjà? 3, ça fait 5 heures. 5 heures de régate déjà, il y en est trempé. Capitaine, toujours? Je crois pas. Ouais, il y a des... Non, c'est bon, c'est bon. Y a... Vous êtes habillé, on dirait. Et je sais pas si je suis en train de me réchauffer, je suis pas sûr. Ah ouais? Ouais.
suis au 34. On va partir à 18h, je vois. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, j'ai la motive. Ouais. Tu sais que j'ai du mental. Ouais, mais bon. Bon, on ne nous voit pas, mais on est toujours en mode régate. Le vent s'est un petit peu affaibli. Enfin, quoi que non, il s'est affaibli. Il s'est affaibli. À 22h40. On va le noter. On est loin de la jeter encore. C'est sûr que c'est celle-là. Regarde, sur une navigation, si c'est pas une latérale tribord. Ouais. Alors, elle arrive sur la bouée. Je sais pas si on voit. Oh là, deux voiliers qui virent en même temps. Je vois pas la bouée jaune. Allez, on arrive sur la ligne d'arrivée. Pour le passage de ligne, à quelle heure il est minuit 47. Minuit 47. Comment ça borde une tour? Bon, on a la tête des jours fatigués, je pense. On sentira pas les têtes. Ouais, voilà, donc du coup, ça y est, pour nous, les 18h d'Arcachon, c'est fini. Ça s'est fini un peu plus tôt que les 18h. On a fait combien? On a fait 12h. 12h. Voilà. Jusqu'à 3h du matin. Jusqu'à 3h du matin, et puis après, on a décidé de rentrer au port parce que on a pris pas mal d'eau, en fait. Les conditions étaient assez costauds au début de régate. Il y a beaucoup d'eau qui est rentrée dans le bateau. Enfin voilà. Et on était trop en mode touriste. Touriste. Ouais, voilà. Et il s'avère que là où l'eau est rentrée, on avait tout un autre nid. On s'est chargé le soir pour pouvoir se couvrir. Enfin voilà, ça a été la grosse cata. Tout était mouillé, donc on s'est habillé mouillé, on a passé la nuit mouillé. Donc le capitaine a décidé de rentrer au port. Voilà. Donc ça a été une super expérience pour nous. Il nous tarde de refaire ça l'année prochaine, j'espère. Oui. On sera beaucoup mieux organisé. Ça c'est sûr. Préparé. Ça pourra pas être bien. Mais par contre, on s'est bien défendu. On s'est bien défendu. C'était pas mal chouette. En tout cas, on tenait vraiment à remercier Marc pour nous avoir participé à cette régate. Et puis voilà, là on va aller se coucher parce que mine de rien, c'est très sportif ces petits bateaux. Très sportif et très fatigant. On est mâchés de partout. Il y en a besoin de dormir. Et ouais, on va aller au dodo. Donc on rentre. Donc encore merci à Marc, on te fait des gros bisous. Merci beaucoup de nous avoir fait participer à cette régate, c'était vraiment super. On vous laisse. À bientôt. Bonne nuit à tous.